envie de passer 3 heures. Mon ami, je suis sûre qu'il veut que tout ce qui est après embrassade, demande au mariage. Ouais, en fait, il doit vouloir qu'on fasse un petit peu tous les trucs, quoi. Ouais. Lou. Mais. Pour le plaisir. Voilà. Waf. Waf. Je creuse comme un homme. Avec la tenue comme un noble. Je cours plus vite que le truc. Je vais t'attraper. C'est vraiment super. On a que notre sol. Ah. Ils n'ont pas aimé qu'on les rentre. Regardez l'appareil. Il y a du lag là. C'est quoi cette horreur? Bon. Ça fait pas boum ça? Comment que j'ai killé? Ouais! Ouais, la gabouille! Enfin, de toute façon, en plus, les connaisseurs de Fables Eux, qui va la gargouille, ils sentent venir. Ouais, la connerie, ouais. Le coup fourré. On peut y retourner en voyage rapide, non? Réflexe. Bienvenue au sanctuaire. Merci. Un petit canard, non, j'ai pas. Je sais pas, moi j'aime tout le monde, hein. Je vois quelqu'un, j'ai l'air, c'est un petit canard. J'espère, il serait peut-être tenté, hein. Ah, j'adore l'image avec la nana. Hein. Les filles d'Albion, n'importe qui. Non, elles ont de la force. Ouais. C'est des bourrines. Kralout avec son serpent. Je vais t'attraper. Oui, ben non. Ça fait trop ça à chaque fois. Ouais. Vous l'avez. Oh, c'est génial. Génial. Tu vois, je... Bien, bien, voyons voir. Ah, voici les instructions. Oh, faites de votre zone d'exposition une place d'honneur. Bien, bien, ça c'est fait. Veillez à ce que vos décorations de jardin soient face à votre gargouille avec une ligne de mire directe. C'est bon? Faites face à votre gargouille. Tu es en train de dire parce que vous prenez une profonde inspiration et dites de manière autoritaire. Ton chien est passionné par la gargouille. Effectivement. Gargolus multiplus. Multiplus. Ah, j'ai disparu. Genre, moi je disparais quand même. C'est vrai. On commence toujours la journée par un bon petit déjeuner. C'est faux. C'est faux. On regarde toujours des deux côtés avant de traverser la route. C'est vrai. De quoi il parle là? Il n'y a pas de route. On ne joue pas avec les allumettes. Ah non, c'est faux. Puis on va mal. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie, de loin. Attendez un peu que je le dise à ma famille. Oh non, attendez, j'avais oublié que je ne leur parlais plus. Oh, ils s'en fichent. C'est franchement et absolument époustouflant. Ouais, les nains de jardin, c'est super. Dit-il pour le moment. Le matin tôt, je me réveille et très vite, je sors du lit. Et qu'il fasse beau ou mauvais temps, ça n'est pas très important.
Ils disent qu'un nain super malin s'amuse toujours en chantant. On a dit qu'un nain super malin s'amuse toujours en chantant. Oh, je parcours le pays et puis je vagabonde. L'horreur. Je lève bien haut la tête et déclare d'une voix puissante. La grande tous les nains à ma droite disent petit chapeau pointu. Ah oui. Petit chapeau pointu. Et tous les nains à ma gauche disent oh comme trois pommes. Après, il recommence du début, je crois. Et encore, les gars. Ouais. Le matin, je me réveille. C'est énorme ce passage. J'adore les nains. Ah, il y a une quête là-bas. Oui, ah oui. Oh, c'est débile, ça, d'ailleurs. Fais tomber ta caisse. Fais tomber ta caisse. Voilà. De la vie, voilà ce qu'il leur faut. Du balai. Hey, vous. J'adore. Il court autour. Youpi, youpi. Ah, excuse. Ouais, bien. Je vais juste te faire péter ta caisse. C'est énorme pour leur faire péter leur caisse. Vous, chère madame, vous qui vivez dans cette époque. Ah oui. Tu peux pas ou pas? Je crois que je vais être avec toi. Des scènes dramatiques et émouvantes que procure une bonne tragédie. Bien sûr que non. Ah, mais j'ai pas encore costume. C'est de la joie et du divertissement. C'est peine perdue. Nous ne serons jamais d'accord. Oui, il y a une quête débile aussi. Ah, si seulement nous pouvions. Oui, putain, je l'avais oublié celle-là aussi. Il y a vraiment pas mal de quêtes débiles quand même dans Fable. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on aime Fable. Pourriez-vous la retrouver pour nous? Oui, on vous en conjure. Non, coupez, le théâtre, les muses, le cœur et l'âme de cette ville même, vous en serons tous reconnaissants. Formidable, formidable! Vous devez savoir que nous avons engagé un détective d'un certain âge pour fouiller la bibliothèque en quête d'indices sur la pièce, mais il n'est jamais revenu. Le dit détective s'appelle Ransom Locke. Mais il n'est plus de première jeunesse. Si vous voulez. Je crois bien. Si vous rencontrez ce gentilhomme, il sera peut-être en mesure de vous aider. Je crois qu'il recherche les œuvres complètes du dramaturge Philippe Morley à l'heure même où je vous dis ces mots. Espérons seulement qu'elle n'ait pas été brûlée quand le roi a fermé l'académie et sa bibliothèque. Arrêtez de critiquer le roi. Faites chier là. Bon, ouais. Ça marche pas. Mon personnage, il fait une résistance contre le roi et moi j'arrive pas à le soutenir quoi. Normal. Change complètement de personnalité. Non, c'est fou, je l'adore. Et après, c'est... tuez-le. Je veux dire, non, mais. Oh non, faut pas le tuer. Bon, Logan restera en vie, vous l'avez compris. Suis-je si transparente? Arrière, simple mortel, retournez de là où vous venez. Coffre! Ça suquait, putain, y'a un fantôme là! un esprit frappeur et pour l'instant, oh, un coffre! Et... chier ce chien! Je sais que l'histoire est vraiment ne tardez pas, écoutez-moi et quittez ces lieux maudits au plus vite. Vous ne le comprenez donc pas, seule la mort et la folie vous attendent ici. Ça suffit, ne le touchez pas. Non, non, vraiment, vraiment, j'insiste. Oui, mais non. Et là, tu vas faire une gueule horrible avec le livre. Mais n'aurai-je donc jamais la paix? Vous ne pouvez donc pas me laisser tranquille une seule seconde? Saleté de touristes littéraires, soyez maudits! Ah oui, je me rappelle.
sexy, moi je dis. Ouais, super. Ouais. Et là, t'as un chien qui ramasse le livre et le bouffe. Oh non. Il pisse dessus. Toi, tu te reçois la pisse sur la gueule à l'intérieur du livre, en fait. Et il pleut. Non, non, c'est le chien. Un gros tsunami de pisse, en fait. Écoutez-moi, vous n'aurez jamais ma pièce, c'est compris ? Elle est nulle. Non, pas nulle. Elle est encore pire que nulle. Où avais-je la tête pour écrire un tel torchon ? Pour mélanger ainsi tragédie et comédie. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Monsieur, il semblerait, ma brave dame, que vous ayez été appréhendée par le fantôme de Philippe Morlaix. Nous sommes tous les deux ses prisonniers. Je suis Ransom Lock. Ça, on dirait les... Si mon nom vous est familier, c'est parce que j'étais un détective de renom. Comme dans Fable. Et voilà qu'aujourd'hui, je me retrouve enfermé dans un livre pour le restant de mes jours. Je ne dérange pas trop. D'après mes déductions, dans une scène d'une des pièces les plus romantiques de mort, il n'y a pas le chien. La quasi-tragédie. Ouais, ils sont restés à l'extérieur. Je crois que pour nous échapper, nous allons devoir interpréter cette scène. Mais jouer la comédie n'est pas dans mes cordes. Si je ne me trompe pas, en mettant ce costume, les choses devraient bouger. Ouais, je vais porter le costume. On est dingue. On fait. Bon bah je vous regarde. Non, des popcorn. Bouh. Oh ma belle étoile, soleil de mes nuits, fais-moi ne serait-ce qu'un signe. Un geste témoigne. Et en tant que mec, tu te travestis à ce passage en plus. Ah ouais. Il me semble, ouais. Non. Ah oui, voilà un grand classique. Vous jouez Ethel, la gracieuse et jolie jeune fille d'un marchand de fumée. Oh. Témoignez votre amour à Oliver, et nous pourrons alors boucler cette scène. Joyeux, va donc. Mon cœur t'appartient, mon amour. C'est trop mignon. T'as vu comme elle est douée. Que les cieux et les océans, les grenouilles et les anguilles chantent à l'unisson, car mon amour... Les anguilles. Je te sens... Tu crois que les grenouilles aussi, ça va. Retrouvons-nous. Si, les grenouilles encore, ça va, mais... Le soleil et le vent pour vivre notre amour, comme au ma belle-fouine. Effectivement, là, c'est ce qui est écrit au texte. Je vous tire mon chapeau. Moi, je vois que vous êtes venu pour monter sur scène, cela ne fait aucun doute. Mais comprenez-vous vraiment toute la portée de mon œuvre ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Oui, allez-moi. Ah oui, c'est sans doute l'une des scènes les plus anciennes et amusantes de Morlaix. Peint de sang à la cour royale. Je pense pas. Et ceci doit être non, je peux pas. Attends, il faut d'abord qu'il termine le rôle par exemple. Du bouffon est en train d'une profondeur tragique. Il nécessitera une performance magistrale. Oui. Non, je peux pas. Ah, dommage. Non, faut que je me mette en poulet. De toute façon, tout à l'heure, faudra que je me mette en poulet. Je suis le roi poulet. Quelle insolence est-ce qu'on me fait là ? Hors de mon trône immédiatement, espèce de bouffonne. Prosterne-toi devant ton roi et remplis donc ton devoir de bouffonne. La cour vit des jours vraiment difficiles et mes fonctions royales m'épuisent. Alors fais-moi rire ou je te fais décapiter. Ça fait trop débile. C'est par une nana en plus. Arrête, c'est trop drôle. Je suis enfin de bonne humeur pour recevoir ces délégués étrangers. J'en épargnerai peut-être quelques-uns. Mais je crois qu'il réagit positivement quand tu déclares ta flamme. Ouais. Il croit que c'est une blague et puis après, tu, si t'insistes, je crois qu'il y a... Voilà qui me redonne. Il est heureux en fait. Vous jouez aussi bien maintenant que vous jouez le moment le plus romantique de mes œuvres. Mais votre polyvalence, vous êtes en train d'entendre comme des subtils. Là, on a toute la question. Demande à quel passage.
Ah, c'est dur d'être extrémiste parfois. Sauf erreur de ma part, nous allons jouer une scène. Oh, de c'est chiant ce genre, je vais pas l'envie de battre. Titus le mutilateur. Deuxième partie. Nous sommes ici. On peut se battre jusqu'au bout. Hein. De hein on peut se battre jusqu'au bout. Hein. Ouais, mais ça change tout parce que tu meurs pas. Ouais. Bah, en fait, ça fait comme si t'avais changé la scène quoi. C'était l'une de mes scènes favorites quand j'étais enfant. Et voici le célèbre costume de Titus. J'avais des pyjamas qui ressemblaient à ça. Enfilez-le et vous serez. En même temps, on a tourné pendant presque 3 heures. Oh, mais mon cerveau est fatigué d'avance. Je suis toujours fatigué. En fait, t'as pas changé ton costume. Titus, ton corps vérolé sera ta punition pour tous tes actes monstrueux. Mon fils est mort par ta faute. Tu entends ? L'heure de ma vengeance a sonné. Elle sera aussi froide que ton cadavre. Et tu sais quoi ? J'en savourerai chaque instant. Faites en sorte que votre mort soit convaincante. Je refuse de mourir. On finira par te tuer. C'est inutile de résister. C'est pas une petite décharge, il va. J'ai strictement rien à faire ici. Oh, magistral, ça fait quoi? C'est quand même chaud. Alors, c'était violent. Ah, il faut que je meure. Mais les tue pas! Tu veux mourir? Bah, il faut suivre le truc. Bon, bah, je te laisse mourir. Vas-y. Allez, frappe. Bien joué. Allez, frappe. Elle va être très convaincante ta mort, je sens. Attends une minute, cette fille n'est pas censée être. Ah, ça y est, tu prends déjà avant la. Tu dois vraiment faire ça. De toute façon, tu vas mourir. Je n'arrive pas à me défendre, je ne comprends pas. Je souffre, je souffre. Regarde par ici, il y a du mur. Voilà, c'est moi, faut que tu tues. Voilà. Ah. Que c'est triste. Titus est tombé. Titus est tombé. L'heure de ma vengeance a enfin sonné. Bravo. Mais quelle est donc cette cicatrice que je vois sur ses joues? Non, ce n'est pas possible. C'était mon fils. Non, ta fille. Oh, pauvre de moi. Quel malheur infini. C'est la fin, mon cœur est brisé par le chagrin. Il ne peut pas supporter toute cette tristesse. C'était son dernier battement. Adieu, monde cruel. Adieu. Il va se suicider, le père. Quelle performance éblouissante. Pendant un moment, j'ai vraiment cru que vous nous aviez quittés. Quelle scène allons-nous jouer maintenant ? Oh oui, quelle scène pourrait donc possiblement succéder à une interprétation aussi magistrale de mon œuvre. Vous avez donné tellement de profondeur à mes mots que j'en suis encore tout à fait émerveillé. Je vous offre un magnifique et unique cadeau. Sachez que vous êtes la première personne à qui je me décide de faire un tel honneur. Je vous fais cadeau de ma pièce perdue. Je vous la confie, car je sais que vous saurez l'apprécier à sa juste valeur. Non. Je l'ai appelé sandwich au jambon. C'est une métaphore, comme vous vous en aimez sans doute déjà. C'est quoi déjà ça? C'est le nom de la pièce? Ouais. Il me donne faim, lui. Sandwich au jambon. N'importe quoi. Ça y est, j'ai faim. Ah, il y a écrit River sur le côté. Tiens, c'est Vlex. Ah. C'est quoi, tout ça vaut. Je vois que vous avez trouvé notre vieil enquêteur à la bonne heure. Ouah ! Sinon, auriez-vous par hasard trouvé. Nous sommes sauvés, Lambert. Oh, mon fort intérieur, je ressens une joie infinie. Merci, un million de fois merci. Ouais. C'est l'heure de pointe. Enfin, aller à la bonne humeur. Ah, te voilà prêt à jouer la comédie. La scène est vraiment nulle à chier. Ouais. Écoutez, vous êtes témoin de la tragique futilité de cet homme. Oh, quelle torture inimaginable, celle d'entreapercevoir le paradis et d'en être soudain exclu.
Ça me rappelle une super blague. Un poulet entre dans un bar et commande un verre. Seulement le barman lui en fait payer deux. Il s'est donc fait plumer. Et qui pourrait dire quel dessein, son immense peine de cœur serre-t-elle lorsque les ténèbres infinies de la mort s'abattent doucement sur notre corps encore palpitant? Qui pourrait le dire? Ça me rappelle une autre blague. Un cadavre entre dans un bar et demande une limonade. Certainement, lui répond le barman, mais vous préféreriez pas une eau de vie? C'est ainsi que se termine enfin notre tragicomédie, en nous rappelant que finalement, nous ne sommes que poussière. Et maintenant, notre idiot de service n'a plus qu'à ajouter... Vive la tragicomédie! C'est ça, rien. C'était quoi? C'est le pire truc que j'ai jamais vu. Ça n'avait aucun sens. La pire pièce de tous les temps. Mon vache. Voilà, tout ça pour ça. Bravo! Vous avez réuni un nombre impressionnant de partisans à Great Wall. Cela devrait suffire à convaincre ce petit hameau d'envoyer de l'aide aux gitans. Je crois que Samuel vous attend devant les portes de la ville pour vous en parler. Que comptez-vous faire à présent, monsieur Locke? Y a-t-il d'autres mystères à élucider?